retour en direct du Nikaya à Nice pour l'élection de Miss France 2010. Juste avant de découvrir les Miss en maillot de bain, elles vont célébrer dignement leur région en costume folklorique. C'est une tradition à laquelle nous le savons, vous êtes très attachés. Et cette année, c'est dans l'ambiance du carnaval, carnaval de Nice, que nos Miss régionales évoluent maintenant sous vos yeux. Les voici. Merci beaucoup. Nous allons maintenant... Alors là, regardez attentivement, parce que j'aurais peut-être... Jean-Luc, regardez bien des commentaires à faire à l'issue de ces images. Nous allons revivre en images donc les moments forts ou parfois insolites de l'élection Miss France. Il y en a pour tout le monde. Regardez. Même à 63 ans, elle est toujours aussi séduisante, surprenante, drôle ou émouvante. Et elle compte aujourd'hui 1216 prétendantes. C'est l'un des événements les plus populaires de l'année. Retour sur l'élection de Miss France, le conte de fées des temps modernes. Voici la toute première plus belle femme de France. En 1920, Agnès Souret n'a pas encore 18 ans et mesure moins d'1m70. Et pourtant, c'est elle qui inaugure le palmarès des Miss France. Un concours qui prend officiellement ses lettres de noblesse en 1946 sous l'impulsion de Louis de Fontenay, puis de sa Miss à lui, notre Geneviève nationale, toujours fidèle à son credo. Et mon rêve le plus cher, c'est que les canons de la beauté remplacent un jour les canons de la guerre. Et côté canon, la France est bien armée, puisque dès 1953, nos représentantes remportent les couronnes de Miss Monde et de Miss Univers. Grâce au comité Miss France, l'élection devient alors une véritable institution. Et au fil des années, dans la France entière, l'engouement est toujours plus fort.
La télévision aussi est sous le charme et le 31 décembre 86, Guy Lux présente la première retransmission de Miss France au cours d'une soirée qui a bien failli tourner au cauchemar. L'heureuse élue n'est autre que Nathalie Marquet, elle s'en souvient encore. Il y a quelque chose qui ne va pas, il ne me reste plus que 4 Miss, il m'en faut 5. Ça a été très très stressant parce que ça s'est mal passé pendant les votes. Ils se sont trompés entre première dauphine, cinquième dauphine, donc ça a été un vrai bins pendant l'élection. Quatrième dauphine, c'est la 9. C'est le troisième dauphine, deuxième dauphine, complètement troublé parce que là, je sais pas. Attendez, on refait parce que là, il y a peut-être... Bon. On s'est dit, c'est une catastrophe, mais qu'est-ce qui va se passer? Où est-ce que nous en sommes? Mais après de longues minutes de cafouillage, Nathalie Marquet sera enfin la première reine de beauté sacrée par les téléspectateurs au cours d'une sacrée élection. Quand je suis montée, je dis, est-ce que c'est moi, c'est pas moi? Alors je regardais la première dauphine qui était à côté, je regardais Madame de Fontenay, je dis, ça y est, elle arrive avec les chars. Ils vont quand même pas me la retirer. Et je me suis dit, ça y est, c'est bon, quand même. Non, on va me faire ça. Et ben voilà une élection houleuse. Houleuse, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais ce sont les fameux aléas du direct. Ce qui font que chaque année, l'élection de Miss France est une soirée imprévisible pour le plus grand plaisir des téléspectateurs et du maître de cérémonie. Bonsoir Jean-Paul. Jean-Pierre. En direct, il se passe toujours quelque chose. Quand il se passe rien... c'est un peu décevant. J'ai repris le flambeau en 1995. C'est pour moi et un travail sérieux, rigoureux, parfois périlleux, mais c'est aussi une vraie distraction. Effectivement, vous allez voir que votre serviteur depuis 14 ans se révèle un présentateur plutôt distrait. Dans les numéros de téléphone pour ne jouez pas, il fait encore beau sur Lyon. Merci Miss Lorraine, c'est ça, hein? Alsace, je me suis trompé. Bravo beaucoup. Regardez, il bat les cartes. Ça, Miss Paris, non, c'est pas vous. Vous vous arrêtez dès que je dis votre nom. Miss Alsace, Miss Pays de Loire. Regardez. Ces petits dérapages font peut-être le charme du direct, mais pour nos prétendantes à la couronne, ils sont terriblement redoutés. Voici d'ailleurs le top 3 des pires ennemis de la Miss. Numéro 3, elle fait souvent de très mauvais coups, c'est l'écharpe. Numéro 2, plusieurs années après, certaines Miss ont toujours une dent contre elles, la couronne. Enfin, en tête de notre classement, les escaliers. Tous ces obstacles ajoutés à l'enjeu de la soirée, forcément ça génère un certain stress. Un stress qui s'accentue au fur et à mesure que la couronne s'approche, notamment au cours de l'angoissante épreuve de l'interview. Et puis, c'est trop d'émotions, je suis désolée. Mais contrairement à ce qu'on imagine, les candidates sont finalement plutôt à l'aise. Un bon anniversaire parce que c'est ce soir. Excusez-moi, c'est demain matin à 4h55. Ah bah j'y serai. Pour devenir ? Pour prendre votre place. Vous souhaitez les anniversaires et les fêtes ? Oui. Vous ne me la souhaitez pas ? Bonne fête, pardon. Vous avez raison, mais il faut me remettre en place. Hein. Je m'entraîne pour la présidence de la République, donc c'est ma première élection et peut-être pas la dernière. Voilà. Les gens se sont dit, tiens, voilà une jeune femme qui ne manque pas de répartie. Elles ont chacune un discours, elles ont chacune une idée bien précise de ce qu'elles veulent faire. J'aimerais par la suite devenir avocate. Donc c'est pas simplement sois belle et tais-toi. Ça, c'est terminé. Il y a des décennies que c'est fini. Et à l'image des candidates, l'émission aussi a évolué, cherchant sans cesse à se renouveler pour offrir un spectacle dans l'air du temps. Mais malgré tout, il y a une chose qui reste intacte chaque année, qui ne changera jamais et que vous retrouverez encore ce soir, c'est l'émotion que suscite un tel événement.
Why do I feel like this? Thank you.
Quelle belle croisière et quel bel équipage. Bravo, mesdemoiselles.